adjoint, Madame la directrice du GRELC. Louise, bienvenue. Sophie Abdella, bonjour. Chers amis et collègues, chers étudiants et étudiantes, bienvenue donc à cette journée d'études placée sous le thème « Perspectives croisées en histoire de la presse ». C'est un événement que j'ai eu le plaisir donc de co-organiser avec Rachel Nadon, stagiaire postdoctorale au GRELC, ainsi qu'avec Henri Dion, donc qui est étudiant à la maîtrise ici au département d'histoire de l'Université de Montréal. Donc l'événement se voulait et se veut toujours une occasion de rencontre et de discussion entre chercheurs et chercheuses de différents horizons, mais s'intéressant toutes et tous à l'histoire de la presse. Donc, nous lançons nos échanges aujourd'hui avec une conférence d'honneur présentée par la professeure Marie-Ève Terranti, que j'aurai le plaisir de vous présenter dans quelques instants. Mais d'abord, j'aimerais inviter donc les partenaires qui ont rendu l'organisation de cet événement possible à venir vous dire quelques mots bienvenus. J'inviterai donc d'abord Jean-Pascal Lemay, qui est vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures, à prendre la parole pendant quelques minutes. Bonne fin d'après-midi à tous et à toutes. Alors d'abord, merci au professeur Harold Bérubé et au comité organisateur de la journée d'études pour l'invitation à présenter ce mot de bienvenue. Au nom du vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures de l'Université de Sherbrooke, il me fait plaisir de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à l'Université de Sherbrooke pour cette journée d'études sur l'histoire de la presse. Une bienvenue particulière à Marie-Ève Terranti, professeure des universités et directrice du Centre de recherche RIRA 21 à l'Université Paul-Valéry-Montpellier-III, notre invitée pour la conférence d'honneur de ce soir, une conférence qui marque le point de départ d'échanges sur l'histoire de la presse qui se poursuivront, comme vous le savez, toute la journée demain. Le professeur Bérubé m'a informé que l'organisation de cette journée d'études découle en bonne partie d'une rencontre qui s'est tenue l'été dernier en France dans le cadre des 8e rencontres scientifiques universitaires Montpellier-Sherbrooke entre des chercheurs du groupe de recherche et d'études sur le livre au Québec, le GRELC, et des chercheurs de l'Université Paul-Valéry Montpellier-III. L'Université de Montpellier, l'Université de Sherbrooke et l'Université Paul-Valéry Montpellier-III sont liés depuis plusieurs années par un partenariat stratégique. Depuis 2006, l'une des principales activités de cette collaboration franco-québécoise est la tenue de rencontres scientifiques universitaires organisées tous les deux ans, alternativement à Montpellier et à Sherbrooke. Ces rencontres ont pour objectif de renforcer et de développer des projets de recherche et de formation en tissant des liens étroits entre nos universités, tant dans le domaine de l'enseignement que de la recherche. Nous sommes aujourd'hui heureux de pouvoir constater l'une des retombées concrètes et positives des dernières rencontres scientifiques dans le secteur des sciences sociales et humaines. Cette journée d'études est soutenue en partie par une bourse qui a été remise au professeur Bérubé par le vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures en accompagnement du prix de la recherche et de la création qu'il a obtenu en 2020 pour son ouvrage intitulé « Unité, autonomie, démocratie, une histoire de l'union des municipalités du Québec ». Paru aux éditions du Boréal. Ce prix institutionnel, remis dans chacun des trois grands secteurs de la recherche, récompense le caractère original des travaux de recherche de la personne récipiendaire et vise à souligner une œuvre de création significative qu'elle a publiée. Le montant décerné à la personne récipiendaire doit spécifiquement servir à défrayer les dépenses liées à la venue d'une conférencière ou d'un conférencier de grande renommée. Par un ensemble de mesures, dont celle-ci, le vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures souhaite que nous puissions recevoir sur une base régulière ici sur nos campus des chercheurs et intervenants de tous les horizons afin de créer des forums d'échange. Il est également intéressant de noter que la journée d'études adopte une perspective multidisciplinaire et interdisciplinaire en réunissant à la fois des historiens et des littéraires du Québec intéressés par l'histoire de la presse. L'interdisciplinarité, c'est une caractéristique bien UDS. Donc, c'est une caractéristique, c'est l'interdisciplinarité, caractérise assurément bien l'UDS, qui se démarque significativement sur ce plan depuis plusieurs années, comme en témoignent, entre autres, ses succès dans les programmes de financement de la recherche québécois et canadien, visant spécifiquement la recherche interdisciplinaire et intersectorielle. Depuis notre arrivée à la direction du vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures en 2017, l'interdisciplinarité est une composante majeure de la planification stratégique institutionnelle en recherche. Dans le plus récent plan stratégique 22-25, un objectif lui est d'ailleurs spécifiquement dédié. Il s'intitule ainsi « Stimuler la recherche collaborative en soutenant l'interdisciplinarité
et en développement, le continuum, recherche fondamentale, recherche appliquée, transfert des connaissances. Cette journée d'étude s'inscrit donc en lien direct avec cette priorité institutionnelle et contribue à l'atteinte de cet objectif. Je souhaite remercier chaleureusement les co-organisateurs de cet événement, donc le professeur Harold Bérubé du département d'histoire et de la faculté des lettres et sciences humaines ici à l'UDS, Rachel Nadon, qui est stagiaire postdoctorale au GRELC, et Henri Dion, étudiant à la maîtrise sous la direction du professeur Bérubé. Je tiens à mentionner au passage qu'Henri est un étudiant qui a bénéficié du programme institutionnel d'initiation à la recherche au premier cycle en sciences humaines et sociales que nous avons mis en place en 2018 avant de poursuivre ses études au deuxième cycle. À ce titre, il est un bel exemple du dynamisme et de l'excellence de la recherche étudiante à l'UDS et de l'implication des étudiantes et des étudiants dans les regroupements de recherche reconnus par l'institution. Cet exemple montre également toute l'importance et le soutien que le VRES, vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures, accorde aux études supérieures en recherche. Donc voilà. Et en terminant, je veux remercier également le GRELC qui contribue financièrement également à l'organisation de cet événement. Sur ce, je souhaite à toutes les personnes participantes une journée d'études stimulante et plaisante, que celle-ci soit fructueuse en termes de nouvelles collaborations et d'avancement de vos travaux. Maintenant, place à la conférence attendue de la professeure Terranti, mais là, j'ai compris qu'il y aurait une autre intervenante juste avant, donc je veux quand même terminer en vous souhaitant bonne conférence et bonne soirée à tous et à toutes. Alors, merci Jean-Pascal. J'inviterai maintenant Marie-Pierre Luneau, donc directrice du GRELC, à venir nous dire à son tour quelques mots de bienvenue. Merci. Merci, Harold. Ça va être très, très bref. Je ne vous ferai pas patienter pour la conférence très longtemps. Je veux simplement remercier Harold, Rachel et Henri d'avoir eu l'idée de cette journée d'études qui me réjouit beaucoup parce que je pense qu'on avait vraiment besoin de croiser les perspectives sur la presse. On avait besoin d'un bilan aussi. Quiconque s'intéresse à la presse en ce moment a été témoin du renouveau dont a été animé ce champ d'études depuis, je dirais, les 10 ou 20 dernières années. Renouveau dû en grande partie à plusieurs personnes qui sont ici dans la salle et qui sont très modestes. Je pense aussi qu'on va vite comprendre la nécessité de décloisonner les objets. En tout cas, nous, au GRELC, on le trouve important de plus en plus. Décloisonner presse, décloisonner livres, les autres médias, c'est d'ailleurs une des choses qu'avait prêché Marie-Ève Terranti une des premières fois où elle était venue ici. Je pense que c'était en 2003 qu'on s'était dit. Donc, cette nécessité de décloisonner est toujours aussi importante. Puis, je pense que le programme aussi est témoin du dynamisme de ce champ d'études. On va avoir l'occasion de suivre les travaux qui vont se poursuivre dans le cadre de deux autres colloques. Donc, je fais de la pub un peu pour d'autres membres du GRELC. J'invite tout le monde à suivre aussi les travaux du colloque La fabrique journalistique des célébrités qui va avoir lieu à Toronto au mois d'avril et qui est organisé par Mélodie et Adrien qui sont ici. Et le colloque Le rose et le noir qui va avoir lieu ici à Sherbrooke au mois de juin. Deux autres colloques qui vont prendre en compte la nécessité d'étudier la presse où on va pouvoir poursuivre ces débats-là. Donc, le GRELC est très, très, très content de cette initiative, très heureux d'y être associé. Toute cette ébullition me semble très prometteuse et puis, ben, j'ai juste hâte de vous entendre demain. Donc, merci encore. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Donc, maintenant, c'est avec un peu de gêne que j'ai le grand plaisir de vous présenter notre conférencière d'honneur. Je dis avec un peu de gêne parce que lorsqu'il nous a accueillis, plusieurs chercheurs du GRELC et moi, en juin dernier à Montpellier, c'était à l'occasion d'un banquet organisé sur les rives de la Méditerranée. Je ne suis pas certain que Sherbrooke, en février, soit tout à fait à la hauteur. Vous sauvez bien la comparaison. Ceci dit, j'espère que nous pourrons nous racheter par des échanges ensoleillés sur les plages de la connaissance. Donc,
quand même. Donc, notre conférencière d'honneur, elle est professeure de littérature française à l'Université Paul-Valéry Montpellier III et depuis 2008, directrice du Centre de recherche RIRA 21. Elle est spécialiste des rapports entre presse et littérature, de poétique des supports et d'imaginaire des sociétés médiatiques. Elle a publié plusieurs ouvrages sur ces sujets, dont plus récemment « Femmes de presse, femmes de lettres » de Delphine de Girardin à Florence Aubenas et avec Pierre-Carl Langlais et Julien Chu, « Les lapins du Père Lachaise », légende urbaine, fake news et viralité avant Internet que j'ai très hâte de lire. À l'automne 2021, elle faisait également paraître Le Monde à la Une, co-dirigée avec Sylvain Venner. Elle est également une des co-directrices de la somme assez monumentale que représente la civilisation du journal, histoire culturelle et littéraire de la presse au 19e siècle. Enfin, elle co-dirige avec Guillaume Pinson Média 19, plateforme dédiée à l'étude de la culture médiatique, et elle pilote également le projet Nima Presse. C'est un plaisir donc de la recevoir aujourd'hui à l'Université de Sherbrooke et de lui donner la parole pour cette conférence d'honneur. Merci beaucoup. Merci à Sherbrooke d'abord pour l'accueil. Merci à Harold, Bérubé, Rachel Nadon, Henri Dion pour l'organisation. Et j'ai toujours pensé qu'au Québec, la chaleur humaine compensait largement les températures parfois un peu glaciales. Donc, le titre de ma conférence volontairement énigmatique est Raoul, rewriter le journal, réécrire l'histoire littéraire. Depuis une dizaine d'années en France, les rentrées littéraires sont marquées par les ouvrages fictionnels ou non fictionnels d'écrivains ou d'écrivaines journalistes, Florence Aubenas, Sorge Chalandon, Jean Rollin, Emmanuel Carrère, et par des prix littéraires attribués, et c'est nouveau, à des journalistes, voire par exemple les prix Femina décernés à Éric Fotorino, Philippe Génada, Christophe Boltanski, Philippe Lançon, etc. Parallèlement, les journalistes de presse écrite cherchent une nouvelle légitimité, à la fois dans des enquêtes plus poussées et aussi dans de nouvelles écritures qui passent même parfois par le retour au livre. Enfin, en France, sont apparus, aussi bien du côté de la presse, de la production éditoriale que du web, des dispositifs hybrides se rattachant à la fois à la littérature et à l'information. Du côté éditorial, on peut évoquer des MOOC, comme 21, Feuilleton, Des Sports, America, Zadig, des sites de journalisme narratif comme lesjours.fr, des terrains d'écriture proposés dans les médias mainstream à des reporters comme Florence Aubenas au Monde ou à des écrivains chroniqueurs comme Christine Angot à Libération. Des maisons d'édition, enfin, spécifiquement dédiées à la non-fiction et au journalisme narratif comme les éditions du Sous-Sol, de la Goutte d'Or, Tristram ou Marcali. En fait, tous ces phénomènes sont moins de totale nouveauté, comme parfois on semble croire, que des formes de réinvestissement contemporain de la figure de l'écrivain journaliste, figure exclusive au XIXe siècle, essentielle dans l'entre-deux-guerres, invisibilisée dans l'après-guerre, et clé aujourd'hui à la fois de l'évolution de la presse écrite et du champ littéraire concurrencé par le numérique et l'audiovisuel. Cette figure de l'écrivain journaliste, l'invention et le recyclage consécutif de poétique littéraire dans la presse et les conséquences de ce syncrétisme entre journalisme et littérature sur le champ littéraire et sur son histoire constituent le cœur de ma recherche ou de mes recherches depuis 25 ans. J'ai eu la chance de pouvoir inscrire ces travaux dans un courant de recherche littéraire dynamique qui a emporté d'abord sur le 19e siècle, puis se sont développés sur l'entre-deux-guerres, et il reste aujourd'hui à explorer à la fois la période contemporaine, passionnante, mais assez délaissée par les contemporanéistes, plus fascinée par les non-fictions sociologiques ou intimistes, type Annie Ernaux, François Bon ou Pierre Michon. Et il reste également à explorer, plus fasciné par ces fictions sociologiques que par la non-fiction journalistique, et il reste également à explorer la période des Trente Glorieuses, curieusement encore moins connue, comme s'il s'agissait d'une civilisation totalement engloutie. Alors cette conférence, je crois que Harold la voyait comme une sorte de bilan des recherches littéraires et culturelles sur la presse menées depuis 25 ans en France,
bilan ouverture sur la journée d'études de demain. Le côté un peu nécrologique du bilan m'intimide et comme tout le monde, je suis plus excitée par les chantiers à venir que par ceux réalisés. En outre, beaucoup d'entre vous, Marie-Pierre l'a rappelé, qui ont été partie prenante de ces recherches, les connaissent bien. C'est pourquoi j'ai décidé de tricher un peu, un rôle ne m'en voudra pas, un peu de bilan, dans une longue introduction pour retracer la trajectoire des études de presse en montrant l'étagement des paradigmes et des questionnements, et puis un peu de prospective sur les Trente Glorieuses notamment, puisque je viens d'obtenir une chaire intitulée Plume de presse, écrivain journaliste et journalisme narratif en France depuis 1945 à l'Institut universitaire de France, donc c'est maintenant les recherches à venir. Alors, pour ne pas en rester à des généralités, j'explorerai ce journalisme narratif, donc de l'après-Seconde Guerre mondiale, à partir d'une clé importante, et j'en ai conscience encore un peu énigmatique pour vous, celle des Raoul. Mais d'abord, comme promis, un peu de bilan. Alors, on peut tenter de replacer nos recherches dans une historiographie longue de la presse, très longue. L'étude de la presse est issue d'une tradition déjà ancienne en France. On peut penser à l'ouvrage fondateur d'Eugène Hattin, vous voyez que je remonte très très loin, Histoire politique et littéraire de la presse, paru en 1859, et qui a lancé le développement d'une importante production d'ouvrages sur les journaux et sur les journalistes. Outre l'indispensable travail de repérage et d'inventaire des titres, tous ces livres étaient dominés par deux questions. D'abord celle de la liberté et de la législation, et puis celle de la légitimité du pouvoir de la presse et de sa moralité. Dans les deux cas, l'accent était porté sur l'émergence des journaux comme acteurs politiques, autonomes et légitimes. S'est engagé donc, à la suite d'Hattin, un important train de publication qui connaît dans les années 1900-1920 une forte accélération avec les ouvrages d'Avenel, Dubief, Pigelet, Chambure, Charpentier, Veil. Une deuxième séquence apparaît au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et s'étend jusqu'au début des années 80, 1980. C'est le temps de l'histoire scientifique des journaux, une période essentielle qui engrange les acquis majeurs de la recherche sur lesquels nous nous reposons encore largement aujourd'hui. Avec trois grandes directions qui caractérisent ces années, d'abord la mise en œuvre de très nombreuses monographies qui permettent de connaître avec précision la vie des journaux et l'établissement d'un indispensable inventaire des quotidiens et des périodiques. Apparaissent notamment les premières grandes thèses ou travaux d'envergure consacrés à des organes de presse, l'Illustration, Le Petit Parisien, Le Petit Journal, etc. Deuxième direction, le développement des études de contenu, florissantes à compter des années 1950, tant dans les départements d'histoire, où les diplômes se multiplient sur ces questions, que dans le cadre des nouvelles études de presse, où appel est fait à d'autres types de savoirs, lexicologie, narratologie, sémiologie, sémantique, aux sources de ce qui allait devenir les sciences de l'information et de la communication. Et donc je vous ai mis l'ouvrage un peu fondateur, l'écriture de presse de Violette Morin, qui paraît chez Mouton en 1969. Enfin, l'établissement des grandes synthèses, notamment la monumentale Histoire générale de la presse française, publiée entre 1969 et 1976, qui constitue encore aujourd'hui le socle indispensable à toute réflexion sur l'histoire de la presse française. En dépit de son importance capitale dans l'élaboration du savoir historique sur la presse, cette seconde séquence reste dominée, tout comme la première, par des interrogations d'ordre politique et ou idéologique. Donc il faut attendre la fin de cette période pour voir apparaître les premiers travaux concernant des domaines autres que strictement politiques. Ils sont venus de littéraires, des 18e-mistes d'abord, qui ont accompli un travail d'une grande valeur sur les corpus des journaux, notamment autour de Jean Sgarre, Claude Labrosse, Pierre Rita, à Lyon et à Grenoble. Et des travaux importants sont à leur actif, comme le dictionnaire des journaux et le dictionnaire des journalistes, mis en ligne il y a quelques années.
Et puis, d'autres spécialistes de la littérature se sont intéressés alors au XIXe siècle, comme Henri Mitterrand, auteur d'un assez étonnant et précurseur Zola journaliste en 1968, René Guise, Roger Bellet, Roland Cholet, Lise Dumazy-Kefelec et Anne-Marie Thiès. Ces recherches ont été marquées par deux intérêts essentiels. Une perspective monographique autour des grands auteurs, d'un côté, qui a permis l'éclosion précoce d'éditions ou de monographies essentiellement autour de trois grands écrivains, entre guillemets, Zola, Balzac et Vallès. Et puis, une attention, dans un deuxième temps, portée aux romans populaires, et notamment aux romans feuilletons populaires, autour du Que sais-je sur le roman feuilleton de Lise Dumazy, ou évidemment du travail d'Anne-Marie Thiès, le roman du quotidien. À partir de cette base, ont commencé dans les années 2000 à fleurir des thèses et des ouvrages qui portaient plus spécifiquement sur la politique de presse. Marie-Françoise Melmoux-Montaubin, Corinne Samida-Dayard, par exemple, ont publié ce genre d'ouvrages. Alors, sans oublier, évidemment, parallèlement au Canada et en Belgique, des travaux très intéressants et d'ailleurs souvent précurseurs qui ont vu le jour, qui remettaient en question le paradigme du grand écrivain avec une attention plus nette portée au réseau et aux sociabilités. Alors, je pense aux recherches très précoces de Micheline Cambron, par exemple au numéro d'études françaises, hein, presse et littérature, la circulation des discours dans l'espace public, et puis évidemment aux travaux de Guillaume Pinson. D'une manière générale, jusqu'à ce que les équipes travaillent ensemble, je vais y arriver, le Canada, moins embarrassé par la question du canon, a devancé les études françaises sur ses corpus. Les femmes journalistes ont été envisagées par Chantal Savoie avant, et son équipe bien avant que je m'intéresse à ce chantier. La question des magazines et des journaux populaires a été étudiée par des équipes québécoises littéraires, d'abord Denis Saint-Jacques, puis ensuite Marie-Pierre Luneau et Adrien Raneau, avant qu'avec Nîmes Après, cela ne devienne aussi un terrain d'investigation en France. C'est sur ce terreau que s'est développée, donc, ce terreau d'ensemble, que s'est développée la recherche collective en trois étapes que je vais maintenant vous exposer, la civilisation du journal, Média 19 et Nîmes Après. Trois étapes en une quinzaine d'années, car ce qui frappe cependant lorsqu'on considère ce chantier, c'est l'évolution rapide des paradigmes qui se sont modifiés très rapidement sous l'impulsion de sortes de règles successives qui ont orienté les chercheurs. D'abord, remise en question du paradigme du grand écrivain au profit d'analyses de politique historique, une attention plus nette portée au réseau et aux sociabilités, et aujourd'hui à ce qu'on appelle la culture de la visibilité, une analyse de la circulation, mondialisation, globalisation des politiques, des discours et des dispositifs. Ces impératifs scientifiques se sont alimentés et nourris de toute une méthodologie, elle aussi renouvelée, avec la relecture des textes dans leur cadre d'origine, permise notamment grâce à la numérisation massive de la presse dans le monde entier, j'y reviendrai, le travail en équipe, rapidement international, et notamment dans le monde francophone, mais au-delà aussi, et puis l'utilisation de plateformes pour fédérer les résultats, et plus récemment, la mise en place d'études d'algorithmes, la mise en place, pardon, d'algorithmes de fouille de données pour étudier notamment la question de la généricité et la question de la viralité. Alors, je vais expliquer cela un peu plus dans le détail puisqu'on arrive maintenant à cette période plus récente. Enfin, dans le détail, mais en même temps assez rapidement aussi parce que finalement, la plupart de ces projets, vous les connaissez bien. La civilisation du journal, c'est une entreprise née de la rencontre de littéraires suite à la publication d'un ouvrage paru en 2001, 1836, l'an 1 de l'ère médiatique, ouvrage qui reposait sur le dépouillement systématique d'un an de la presse et la lecture systématique de cette presse. Et puis la rencontre donc d'historiens littéraires, on parlait d'interdisciplinarité, et d'historiens de la culture, notamment Dominique Khalifa, qui avait travaillé sur le crime et donc sur le fait divers à la Belle Époque. Une équipe d'une soixantaine de collaborateurs a été réunie, certains de ces collaborateurs sont ici, pour composer un ouvrage de synthèse avec pour objectif une histoire de la presse, de toute la presse
et de tous les types de périodiques publiés dans la France du XIXe siècle, ces périodiques étant considérés dans leur dimension culturelle et littéraire. Alors l'idée centrale sur laquelle repose ce projet, vous la connaissez, c'est que le journal, par les caractères de sa production, l'ampleur de sa diffusion et les rythmes nouveaux qu'il impose, entraîne une mutation anthropologique majeure, puisqu'il modifie profondément l'ensemble des activités, l'ensemble des appréciations et des représentations du monde, projetées toutes ensemble dans une culture, voire dans une civilisation de la périodicité et du flux médiatique. C'est le premier axe, en fait, la première problématique, en quelque sorte, de l'ouvrage. La deuxième problématique de l'ouvrage, c'était de repenser l'histoire littéraire à l'aune du journal. Et il fallait bien voir que, grâce aux travaux que j'ai décrits, on prenait conscience que l'introduction du support journal dans les études littéraires allait constituer un bouleversement nécessaire. Pendant plusieurs dizaines d'années, durant le XIXe siècle, le journal devient le diffuseur, mais aussi la matrice des principales innovations formelles qui émaillent ce siècle de la modernité littéraire. Avec le XIXe siècle, l'œuvre littéraire n'est plus parole donnée à entendre, mais texte imprimé et donné à lire, non plus une parole médiatrice, mais un objet marchand et médiatisé. La plupart des auteurs ont multiplié les résistances et combattu la mutation qu'il vivait, il n'empêche que les principaux caractères du journal, sa périodicité, sa collectivité, sa référentialité, ont profondément infléchi le devenir de la littérature. On a du mal à expliquer aujourd'hui, par exemple, qu'on ait pu travailler sur le mouvement réaliste pendant des dizaines d'années, sans avoir conscience que tous les représentants de ce mouvement avaient publié leur roman dans la casse-feuilleton du journal, en suivant en quelque sorte l'actualité. C'est l'objet notamment de la thèse de Marie-Astrid et de l'ouvrage de Marie-Astrid Charlier, le roman et les jours. C'est pourquoi la civilisation du journal était aussi une invitation à réécrire l'histoire littéraire à partir du journal et à voir le système médiatique et littéraire de manière globale. Dans l'esprit de cette entreprise sont parues quelques thèses de doctorat et d'habilitation. Je vous montre quelques ouvrages. Alors, c'est jamais, ça va prétention à être exhaustif, mais c'est juste pour montrer les équipes et l'importance des équipes qui se sont investies dans ces chantiers. Alors deuxième étape, Média 19. Du côté de la synthèse, il n'était sans doute pas possible d'aller plus loin sous une forme éditoriale et universitaire classique. Mais nous avons lancé avec Guillaume Pinson, dans le prolongement de la civilisation du journal, une plateforme de nature collaborative intitulée Média 19. Bon, il s'agissait d'un projet franco-québécois financé pendant 4 ans par l'ANR et le FQRSC et puis aujourd'hui pris en charge financièrement entièrement par le Canada. On pourra revenir sur ces anomalies de la recherche et sur les difficultés auxquelles on se heurte, selon les pays d'ailleurs, pour mener des recherches pérennes et collectives. Alors le site vise à fédérer la recherche internationale sur la culture médiatique et à offrir aux chercheurs, aux étudiants et au grand public un accès direct à des sources souvent difficiles d'accès ou obscures. Média 19, c'est à la fois une vitrine pour faire connaître ces recherches, exactement comme les congrès que nous avons organisés en juin 2015 au Centre culturel canadien à Paris et en mai-juin 2022 au Centre culturel et à la Bibliothèque nationale de France, et là encore certains d'entre vous étaient là. En attendant le prochain congrès qui aura lieu en 2025. Mais c'est aussi, je le rappelle ça à Guillaume, mais c'est aussi une plateforme de publication et de réflexion qui a permis de faire avancer certains dossiers scientifiques de manière sensible. Alors, je ne reviens pas sur tous les dossiers que Média 19 a fait progresser, mais j'évoque simplement deux de ces pistes qui se sont avérées peut-être les plus fécondes pour la suite. D'abord, Média 19 permet encore d'ailleurs de mettre en place des bases de données, petite presse, trajectoires journalistiques, mystères urbains, et a proposé ainsi un premier travail de répertoire grâce au numérique.
Notamment, le projet Média 19 s'est lancé dans un premier établissement prosopographique des journalistes du 19e siècle disponible en ligne. Ensuite, certains projets scientifiques développés sur la plateforme ont attiré notre attention sur des phénomènes qui peut-être jusque-là n'avaient pas été appréciés à leur mesure. C'est notamment en étudiant la circulation des mystères urbains que nous avons découvert l'importance des circulations globales médiatiques et pris conscience de l'ampleur de la viralité des textes médiatiques. Et je crois que cette ampleur, encore, on n'en a pas tout à fait conscience. Je vais revenir tout de suite. Et là encore, un nouveau train d'essais et de travaux universitaires, notamment orienté, mais pas tous, autour de cette circulation globale médiatique, a accompagné, suivi, parfois précédé, Média 19. Troisième étape, celle dans laquelle on est aujourd'hui, c'est Nima Press. Alors, le projet Nima Press, qui a été obtenu en 2017 et qui se terminera officiellement dans un mois, mais comme tous ces projets, on va les faire continuer autrement, alors parfois en bricolant, hein, puisque les dotations ne sont pas pérennes. En tout cas, le projet NR Nima Press a été pensé comme une manière de prolonger Média 19 en approfondissant une des pistes qui nous paraissait parmi les plus fructueuses pour constituer une histoire culturelle et littéraire de la presse française, celle de travailler sur des corpus de presse numérisés à partir d'une analyse outillée. Alors, l'idée nouvelle par rapport au projet précédent, c'était d'appuyer notre histoire, sur la numérisation des corpus de presse et de proposer la création de nouveaux outils de text mining qui permettraient de fouiller aussi bien les corpus de presse anciennes que les nouveaux corpus directement numériques de la presse web. Pierre-Carl Anglais, notre postdoc, que certains d'entre vous connaissent, a développé plusieurs types d'outils. La générothèque, qui permet d'identifier automatiquement des genres, reportages, récits de vie, chroniques, faits divers. Le signomètre, qui est un extracteur de signatures, oui, on a l'invention dans la nomination des objets, le détecteur de viralité également. Plusieurs de ces outils sont proposés à la communauté sur le site nimapresse.org. La deuxième idée du projet, c'était de confirmer cette interdisciplinarité et ce cumul des expertises. Donc ce chantier s'est envisagé non seulement à la croisée des études littéraires et des études historiques, mais nous avons eu aussi l'appui des sciences de l'information et de la communication avec une équipe issue du CELSA. La troisième idée était de proposer de travailler sur un temps long, très long, qui allait jusqu'à aujourd'hui en tentant d'appréhender autant les continuités que les ruptures. Quand on est en histoire, on est souvent tenté par les ruptures. Mais nous, ce qui nous intéressait aussi, c'était ce qui perdurait. Donc, une équipe du GRIPIC, emmenée par Adeline Vrona, a ancré le journalisme 2.0 dans l'histoire des poétiques de presse. Et c'est aussi ce qu'on tentait de faire. Les volumes de la collection Pinker, qui non seulement ont fait le pari d'une écriture pour grand public, mais ont montré aussi la volonté de travailler sur un temps long, en proposant des volumes du 19e siècle à aujourd'hui sur le sensationnalisme, sur la fake news, sur le fait divers. Alors le projet s'est développé selon beaucoup d'axes, et là encore, des axes que vous voyez énumérés sur la diapo, mais là encore je vais insister seulement sur quelques chantiers, ceux qui, là encore, me paraissent peut-être, en tout cas aujourd'hui, les plus importants ou les plus fertiles pour la suite. Alors, premier axe qui va nourrir aussi mon exposé sur la prospective, une réflexion sur les rédactions des journaux qui s'est opérée, je l'ai dit, par exemple, à partir de l'observation des signatures dans la presse. Je reviendrai sur ce chantier tout de suite dans ma partie prospective. Et j'annonce d'ores et déjà un nouveau Pinker intitulé « Les masques et la plume » qui sera conduit par Adeline Vrona et Johan Viriac dans une collection ad hoc créée chez CNRS Éditions, qui nous suit sur cette idée de l'avatar Pinker. Avant, je ne savais pas que maintenant il y aura Raoul, mais pour l'instant, on a Pinker.
Deuxième axe, une analyse de la circulation globale des textes médiatiques. Alors, ce sont tous les phénomènes de circulation, de reprise d'un journal à l'autre. C'est ce qu'on a appelé la viralité. En fait, les outils numériques permettent, avec la prise en considération des reprises littérales dans les journaux, d'objectiver vraiment cette remédiation et de plonger dans une culture du lien, déjà, qui existe déjà au XIXe siècle, avec pour conséquence notamment l'apparition de nouvelles formes de textes journalistiques circulant au statut très divers, des poèmes, des contes, des chroniques, des listes, qui partagent tous la particularité d'être repris, reproduits, découpés, fragmentés dans d'innombrables numéros de périodiques à des échelles temporelles et géographiques souvent insoupçonnées. Alors voici par exemple toute une série de visualisations réalisées par Pierre-Carl Langlais à partir de la reprise durant l'année 1857 d'articles de journaux français par des journaux américains, à la fois Amérique du Nord et Amérique latine. Vous voyez que les visualisations permettent de comparer les flux canadiens beaucoup plus serrés, qui correspondent à des arrivées de steamers réguliers tous les 20 jours, et les flux du Sud, Louisiane, Mexique, Brésil, beaucoup plus lâches, vous voyez sur notre graphique, 65 jours pour le Trade Union, le journal mexicain, 74 jours pour le Courrier des Opelousas, un journal de Louisiane, et 88 jours pour le Courrier du Brésil. Et on retrouve des articles qui sont quasiment copiés-collés de journaux français dans les journaux francophones d'Amérique latine. Troisième chantier qui est sans doute parmi les plus fertiles, la réalisation d'une histoire culturelle et littéraire de la presse au XXe siècle. Alors on a tenté d'ébaucher une sorte d'équivalent de la civilisation du journal, équivalent parce que c'est pas aussi exhaustif évidemment que la civilisation du journal. L'exhaustivité étant impossible, le projet a travaillé sur quelques objets particuliers, le reportage de guerre, la page de cinéma, l'article de sport, et puis sur un médium spécifique, les hebdomadaires. Alors je vous ai mis par exemple l'image du colloque organisé par Dominique Khalifa sur les hebdomadaires de l'entre-deux-guerres, et vous trouverez l'enregistrement de ce colloque sur notre chaîne YouTube. C'était la minute autopromo. Surtout, ce chantier nous a permis de confirmer notre méthodologie. Alors, comme on n'est jamais en manque d'imagination pour l'invention d'un lexique critique, on a appelé cette méthodologie la média poétique, à la croisée de la poétique historique, de l'histoire culturelle, de la sociologie et des sciences de l'information. La média poétique est une étude poétique des textes qui prend en compte leur médium de production, les canaux qu'ils empruntent, leurs visées pragmatiques, leurs enjeux sociétaux, leurs reprises, leurs dérivations, leur circulation. Ce type d'analyse envisage les supports et les dispositifs qu'il étudie à la fois comme des contraintes et comme des offres, des possibilités. Et elle ne se conçoit pas sans la prise en compte des producteurs, de leurs origines sociologiques, de leur mise en scène aussi, à travers leurs postures, leurs scénarios auctoriaux, et sans l'inscription dans un contexte historique très précis. Alors plusieurs numéros de revues ou d'ouvrages ou des ouvrages sont parus ou apparaître, récapitulant les recherches de Numa Press. Alors ce projet Numa Press, et j'en arrive à ses contraintes et aussi un peu à la prospective, s'est heurté d'emblée à une question qui ne se pose peut-être pas exactement dans les mêmes termes au Québec, mais qui a entravé notre processus de recherche avant comme souvent d'ouvrir de nouvelles pistes. C'est souvent dans la difficulté que finalement naissent les meilleures pistes. Alors cette difficulté, c'était l'accès numérisé au corpus sous droit. Vous me direz ce qu'il en est pour le Québec, mais la législation française sur le droit d'auteur a créé pour les années 50, 60, 70 et jusqu'aux années 80 un trou noir de la numérisation. Et nous avons dû numériser nous-mêmes au fil des mois notre propre corpus et constituer notre propre explorateur sur des magazines comme Paris Match, Détective, L'Express, France Observateur, Noir et Blanc. Et rapidement,
En explorant donc ces journaux, il est apparu que, une fois de plus, un certain nombre de présupposés, alors notamment comme présupposé, je reviens à la question d'écrivain journaliste, la moindre présence des écrivains dans la presse en raison de la professionnalisation demandée à la Libération et le recul de ce que Edgar Morin appelait le syncrétisme homogénéisé. Donc, tout ceci ne se vérifiait finalement pas. En fait, c'est aussi des leçons de modestie quand on est chercheur. Moi, j'ai passé mon temps à reculer la borne de ce syncrétisme homogénéisé. Maintenant, j'ai finalement un doute sur le fait qu'à un moment, il est complètement disparu et que les écrivains aient fini de s'investir dans la presse. Il existe en fait, effectivement, une forme d'occultation par les études universitaires et littéraires de ces écritures médiatiques de la presse d'après-guerre. Ce silence, en fait, me semble peu différent du long aveuglement des études littéraires 19e-istes sur l'importance de la presse. Je crois que là, on se heurte, en fait, à quelque chose d'assez similaire. Ce silence s'explique à la fois par la relative difficulté de consultation des collections, qui ne sont pas numérisées, comme les autres, mais aussi par un mépris liées à la méconnaissance de ces périodiques. En fait, l'histoire de ces journaux, et notamment des plus sensationnalistes, j'ai mis là Détective et Paris Match, a été largement désertée par les historiens qui ont laissé les rédactions tisser leur propre mythologie grâce à des numéros spéciaux ou des anthologies d'articles de une. Ces ouvrages composent, avec les mémoires des témoins, quasiment la seule histoire matérielle et poétique que nous ayons de ces journaux. Alors, l'objectif du nouveau projet, donc là je passe à la prospective, Plume de presse, est donc d'écrire cette histoire, ou de réécrire, si on considère que ce que vous avez sur les yeux est une histoire, à partir de l'observation des rédactions de la presse des Trente Glorieuses, en mobilisant l'expertise stratifiée des différents projets précédents pour faire émerger les éventuelles spécificités de cette période. Et donc, je vous propose maintenant, dans une partie plus prospective, plus work in progress, de cette conférence, de découvrir enfin qui est Raoul. Alors, tout est parti d'un chantier Nima Presse, celui de l'extraction des signatures. L'échec de l'extraction automatisée des signatures dans les magazines des années 50 nous a invités à regarder de plus près ces corpus. Il montre que l'on n'a pas, c'est le point de départ de notre réflexion, l'adéquation idéale suggérée par les consignes des résistants entre un texte et un nom, notamment dans les hebdomadaires et les magazines. Alors prenons 4 hebdomadaires d'actualité dans les années 50 pour voir comment le principe de la signature fonctionne. France Observateur sera mon premier exemple. Né en 1954 de la transformation de l'Observateur, c'est incontestablement de tous les journaux étudiés celui qui semble le mieux répondre à la demande de transparence faite en 1944 par un Albert Camus ou un Hubert Beuve-Méry pour lutter contre les dérives de la presse pourrie, c'est une expression de l'époque, des années 30. L'historien de France Observateur, Philippe Tétard, a ainsi pu très facilement décompter 1200 collaborateurs de France Observateur de 1950 à 1964. Dans un hebdomadaire au départ peu attiré par l'illustration photographique, les titres d'articles et les noms d'auteurs figurent, comme vous le voyez, sur la couverture. La hiérarchie entre les différents signataires est rendue par l'épaisseur des titres et des lettres, Gilles Martinet, Claude Bourdet ayant systématiquement l'avantage. Par ailleurs, pratiquement tous les articles sont signés par une signature placée en bas à droite, seuls quelques brèves ne sont pas crédités. Donc jusqu'à sa conversion en News Magazine, c'est-à-dire jusqu'à sa conversion en Nouvel Observateur, la signature reste un argument dont l'hebdomadaire joue assez simplement, sans artifice. Et il faut, pour comprendre cette transparence, penser que France Observateur est un journal tribune, engagé, où l'on écrit non pour un salaire mais par conviction. Et cette conviction d'ailleurs et cette signature ont des conséquences très concrètes pendant la guerre d'Algérie. Le 31 mars 1956, à la suite d'un éditorial, Claude Bourdet est arrêté brièvement et inculpé comme 4 autres journalistes. On a donc avec France Observateur un journal qui se rapproche de l'idéal de transparence et de lisibilité que l'on s'attend à avoir quand on parle de signature. Deuxième exemple, à l'autre bout du spectre,
L'hebdomadaire Radar est un journal avec une rédaction invisible qui rompt totalement avec cette exigence de lisibilité demandée à la Libération. Le magazine Radar fait partie du groupe Nuit et Jour, dirigé par André Bellé, officier parachutiste auprès du général de Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui obtient, pour fait de résistance, le droit de fonder, après la guerre, une société d'édition le 11 janvier 1945. Et il dispose donc, dans les années 50, d'un consortium de trois hebdomadaires détectives, le fameux détective sur lequel nous avions travaillé ensemble à Montpellier en juin, Rêve, un magazine de romans photos notamment, et Radar, fondé le 13 février 1950. Dans Radar, on est frappé, alors ça c'est peut-être pas très visible pour vous, enfin vous allez me croire sur parole, par le très faible nombre de signatures. Les signatures qui sont le plus évidentes et le plus revendiquées sont celles des dessinateurs, Rino Ferrari et Angelo Di Marco, qui assurent notamment les couvertures de Une. En revanche, les textes très courts, souvent des légendes de photos, ne sont pas crédités, et les photographies le sont rarement aussi. L'imaginaire du support qui intervient ici est donc plutôt, en référence à la télévision, l'idée d'une machine qui enregistre le réel sans intervention humaine. Radar joue ici la proximité et la connivence avec un public qu'on essaie de convaincre d'un journal non médié, totalement spontané. Mais alors, qui rédige Radar ? Alors, deux autres hebdomadaires vont nous permettre de mieux interpréter ces régimes de l'auctorialité dans la presse des années 50 et de commencer à comprendre comment ils sont rédigés. L'Express, fondé en 1953, fonctionne sur deux régimes d'autorité différents. Une grosse partie du journal, plus de la majorité, est anonyme. Si bien que, comme dans ce jeu concours, publié dans le journal en 1955, le lecteur est en droit de se demander « Mais de qui est-ce ?» L'autre partie, au contraire, est fortement auctorialisée, avec une sorte de suraccentuation de la signature. L'article est raccordé de plusieurs manières à son auteur, par une signature placée à la fin de l'article, classiquement, ou au début, parfois les deux, par une petite biographie en tête de l'article, par l'insertion de la photographie de l'auteur, par la reproduction de sa signature calligraphiée, comme vous voyez ici pour Malraux, et quand il s'agit d'un coup du journal, la signature peut même figurer à la une. On voit donc que le journal survivabilise ses journalistes stars, les écrivains et les philosophes, mais aussi les experts, nombreux qui acceptent de venir témoigner dans le journal. En fait, dès la jeunesse du journal, en 1953, Jean-Jacques Servan-Schreiber voulait faire un journalisme de nom. Et peu importe la cohérence de la ligne éditoriale, pour peu que l'affiche soit belle. Effectivement, vous voyez ici, dès le numéro du 14 mai 55, Jean-Jacques Servan-Schreiber peut titrer en première page en rouge « Mendès France, Camus, Mauriac », trois signatures du journal. Et à côté de ce journalisme de nom, le reste du journal, deuxième principe, est anonyme, comme s'il a prédominé un effet marque sur un effet d'auteur. Je cite le roman de l'Express, Jean-Jacques, s'inspirant de Time, le magazine américain, décide que les articles seront courts et non signés. Courts, parce que le journal doit faire une sélection, une synthèse pour ses lecteurs qui seront des gens occupés, non signés, car chaque texte sera le fruit d'un travail collectif, avec à un bout de la chaîne les hommes d'action, les reporters donc, et à l'autre bout, Françoise Giroud et Pierre Viançon-Ponté. Françoise Giroud rend compte, dans ses mémoires, d'un travail harassant, mais totalement invisible, celui qui consiste à écrire ou réécrire le journal. Je cite, « Je travaillais 10 heures par jour, jusqu'à 2 ou 3 heures du matin, les jours de bouclage. Les toutes premières années, et au moment du changement de formule, il m'est arrivé de réécrire quasiment tout un numéro, pour que le journal ait exactement le ton que nous voulions lui donner. Rapidité, concision, mise en scène. C'était pure folie, mais sur ce terrain, je me sentais forte. » Je crois que peut-être vous voyez qui sont les Raoul. Dernier espace d'observation, Paris Match. Les articles de Match ne sont pas tous signés, mais les grands reportages le sont quasiment tous. Ils sont soit crédités d'une double signature, celle du reporter et celle du photographe,
soit crédité d'une triple signature. Quand l'article a été massivement réécrit, la signature de l'auteur de la réécriture vient s'ajouter aux autres. Comme sur cette page, datée du 11 octobre 58, qui ouvre un très long reportage sur Jules Verne et où apparaissent les trois énonciateurs, le photographe, Willy Rezeau, le reporter, Marie Gattard, et l'écrivain en charge de l'article, Pierre Geoffroy, romancier patenté, édité au Seuil dans les années 60. Encore plus complexe, cette page, avec le crédit en bas et en haut, il faut entendre que Jean Farran a rédigé l'article à partir des notes de Claude Paya et Jean-Pierre Cartier et que l'article est illustré par Rezeau. À Paris Match, et c'est le seul exemple de cette visibilisation des Raoul ou des rewriters, les rewriters figureront même un temps bref dans l'Ours avec ce titre pompeux « Grand reporter écrivain ». C'est le seul exemple que je connaisse de visibilisation nette des rewriters. Sinon, c'est uniquement dans les mémoires que l'on trouve trace de ce travail essentiel de réécriture des magazines. Ainsi, dans ses souvenirs, le journaliste Jean Diwo, lui-même rewriter, parle des trois composantes du succès de Paris Match dans les années 50-60. Les reporters baroudeurs, d'une part, les photographes inspirés, donc deux personnels bien connus, et moins connus, plus étonnants, les écrivains créateurs d'un nouveau journalisme. L'expression est évidemment intéressante parce qu'elle sert généralement à qualifier le « new journalism » des années 60 aux États-Unis. En fait, ce phénomène va perdurer dans certaines rédactions pendant plusieurs décennies. Dans les années 80, les articles d'actuel étaient encore systématiquement réécrits par les plumes du journal, Marc-Antoine Burnier et Patrick Rambeau. Et quand l'opération avait été trop douloureuse ou très chronophage, il rajoutait même la mention infamante et Raoul dans la signature pour signaler que l'article avait été très réécrit. On voit donc ici, à partir de l'observation de cette trace infime qu'est la signature, se révéler un mode de fonctionnement majeur de l'hebdomadaire dans l'entre-deux-guerres. À côté des grands écrivains philosophes ou des grands écrivains engagés mis en valeur, une rédaction souvent invisible de rédacteurs écrivains présente notamment dans les journaux les plus populaires, Détectives, Paris Match, mais pas seulement, on a vu l'Express, s'emploie à les réécrire et à les mettre en forme. Mais quel est leur travail, au juste, que fait Raoul? Alors, en 1955, une polémique éclate entre France Observateur en perte de vitesse et de lecteurs et l'Express. L'austère hebdomadaire de gauche reproche à François Giroux de niveler son journal, de le standardiser selon les règles éprouvées, je cite, du marketing. C'est le rewriting ici qui est évidemment visé, hein, comme ce reproche-là est le reproche que l'on fait généralement au rewriting, comme le montre cet article contemporain de la revue Études de presse, qui a le mérite de déplier les reproches que l'on fait au rewriting, reproches qui expliquent sans doute que jusqu'à présent on ne se soit pas vraiment intéressé à cette pratique. Alors je lis ce qu'on dit à cette époque du rewriting. Ce qui serait dangereux, c'est que ces mœurs, le rewriting, se généralisent, car elles changeraient profondément notre conception de la pensée, inséparable pour nous de la personnalité, pour en faire véritablement un produit assimilable au vitriol ou au sucre, et relevant en fin de compte du même traitement, nécessairement anonyme et collectif. Nous avons à cet égard l'exemple de ce qui se passe aux États-Unis. Le style, dans nombre de cas, tend à s'y standardiser comme un article de série et pour les mêmes raisons. L'éditeur sait que s'il envisage de grands tirages, le public ne répondra que dans la mesure où on lui donnera quelque chose qui soit conforme à ses habitudes. Il se forme ainsi une forme de style standard, dont le Reader's Digest donne assez exactement l'idée, point d'abstraction, rien que du concret, des exemples spectaculaires, si possible humoristiques. À vrai dire, ce n'est pas mauvais, parce que cela se lit fort aisément, sans le moindre effort. C'est même si efficace que ça s'attirerait comme une maladie épidémique et que tout le monde finit par écrire de cette façon, en évitant les termes difficiles, en mettant en vedette les bonnes histoires, sous le signe d'un optimisme de base, on dirait un modèle auquel chacun se conforme.
Certaines revues françaises, excellentes du reste, ont adopté ce style et l'on a l'impression que tous les articles ont été rédigés par le même auteur, Raoul. En effet, une équipe compétente les a ramenés à l'alignement. C'est du bon travail, mais l'individualité disparaît. Donc on voit bien, pour la revue Études de Presse, le rewriting corrompt des écrivains standardisés, abétit le public et avilit le journal français. Pourtant, les souvenirs des protagonistes ne corroborent pas ce diagnostic de facilité. Par exemple, pour Paris Match, les mémoires dévoilent une rédaction en chef souvent très exigeante sur la qualité rédactionnelle, refusant assez fréquemment les articles, quel que soit le prix qu'ils aient déjà coûté en magazine. Et les rewriters qui reprenaient systématiquement les longs formats étaient considérés comme une catégorie spéciale de journalistes au sommet de la hiérarchie du journal. Je cite Hervé Mille, « Le Match de la vie, qui s'intéressait à la fois à l'actualité internationale française et parisienne, était écrit de cette façon, des phrases courtes faisant image, une multitude de détails parfois accessoires mais toujours exacts, et comme tel garant de l'exactitude du reste, les phrases prononcées par les acteurs du drame ou de la comédie, le lecteur devenait un spectateur, on sollicitait autant ses yeux que ses méninges, son imagination que sa réflexion, un tel journalisme de précision exige le rewriting. » L'écrivain journaliste Michel Clerc est encore plus précis sur le rôle de ces rewriters, chargés non pas seulement d'analyser une situation politique, mais de faire, je cite, « évoluer de vrais personnages dans de vrais décors, d'agencer des détails, bref, d'inventer un romanesque sans fiction. » Je cite Michel Clerc, « Je suis devenu journaliste parce qu'il n'est pas donné à tout le monde d'être Balzac. » La curiosité aidant, j'ai été pendant plusieurs années l'un des hommes à tout faire de Paris Match. Effectivement, j'ai tout fait. La cour d'Angleterre, l'Algérie, le Vietnam, le cinéma, les interviews, les grands fleuves, les faits divers, le quai d'Orsay, le quai des Brumes, la Maison Blanche, les maisons closes, le show business et le business, les starlettes et les chefs d'État. Il existait pour désigner ma fonction un titre ronflant, grand reporter écrivain. Cette précision signifiait qu'à la différence des reporters tout court, j'étais capable non seulement de chasser l'information, mais d'écrire mes propres articles et même ceux des autres. En fait, dans toutes les rédactions, les témoignages concordent. Dans les années 50-60, le rewriting consiste plutôt à reprendre un texte original, parfois même à écrire un récit totalement neuf, à tête. À France Dimanche, selon François Brignot, les articles arrivaient sous forme de notes complètes, je le cite, des brouillons informes mais encyclopédiques qui devaient être entièrement réécrits. Je cite Brignot, information en tête, début raccrocheur, rebondissement à mi-papier, chute astucieuse. Max Corr, le rédacteur en chef de France Dimanche, qui voulait faire, c'est sa formule, l'hebdomadaire du surréalisme à l'usage des concierges, prétendait avoir ramené d'Amérique la règle journalistique des trois « où ». Où est le fait ? Où est l'histoire ? Où est le tralala ? François Bott, qui passe directement de la Sorbonne au groupe François, donc à France Dimanche, comme rewriter, définit de la manière suivante le style de France Dimanche. Je cite, « J'ai compris qu'il fallait mettre de l'émotion, du mystère, du suspense, du romanesque, sinon du roman dans les faits divers les plus sordides, les plus crapuleux, les plus crasseux, les plus crapoteux. Le journalisme, c'était de la littérature qui allait vite. Il fallait imiter, si possible, la manière, le style efficace et bourru des grands Américains, de Raymond Chandler à Hemingway, de Ring Lardner à William Burnett, d'Horace McCoy à Dos Passos et de Carson McCullers à Dashiell Hammett, lequel avait écrit cette phrase définitive, « La mort, c'est pour les poires ». À Paris Match, on préfère un romancement plus discret, la recherche de la vraisemblabilisation par des architectes plus classiques. L'écrivain reporter Jean Diwo raconte qu'avant son entrée au journal, il avait étudié le style Match et il en donne la recette. C'est simple, chaque paragraphe doit commencer par une phrase forte, le genre du gong sur un ring, se poursuivre par des informations précises, claires, sans mots inutiles, et s'achever sur une image sensible, un peu romantique. Si tu bâtis comme cela ton article, il est bon pour l'imprimerie. À l'intérieur de la rédaction, les journalistes se moquent ouvertement de ce style et ne se privent pas de faire courir de savoureux pastiches. Je cite, « Les pneus de la déesse noire crissèrent sur le gravier, la berline s'immobilisa et Charles de Gaulle, en costume gris foncé,
apparu dans la cour de l'Élysée, tel le commandeur d'un pays très, très ancien, la Gaule, c'est-à-dire la France. Effectivement, tous les reportages de Paris Match fonctionnent selon les mêmes ressorts, quels que soient les sujets, grâce au romancement, l'émotion de la reconnaissance du déjà lu, l'impression d'un accroissement des capacités cognitives hein, grâce à l'intertexte et le plaisir d'une forme d'esthétisation du réel. Regardons plus près. Paris Match, c'est sa réputation, pratique d'abord le romanesque appuyé des stars, résolument transmédiatique, puisqu'emprunté à la fois à la littérature et au cinéma, et très méta. Hein, à Paris Match, on signale toujours les intertextes et les influences. Comme le montre par exemple cette description du mariage d'Alican et de Rita Hayworth. Je cite « C'est un air de village, ceint de l'écharpe tricolore, qui va déclarer uni par les liens du mariage Rita Hayworth, étoile, et Alican, prince des mille et une nuits. Jusque-là, toutes les conventions qui font les belles histoires d'amour avaient été respectées, la beauté, la fortune, les armes mystérieuses, les sortilèges d'Hollywood, la toile de fond de la Méditerranée. Il n'y manquait même pas le hasard, une fée distraite qui fit s'asseoir un soir le prince Ali à côté de Rita à une même table où ils allaient boire, sans le savoir, le filtre des légendes. Et tout cela, qui n'aurait pu être que l'argument d'un film en technicolore, courant à l'apothéose, s'achève à la Pagnole, dans le style gentil des noces de village. » Alors, après le roman de, je cite Paris Match, l'héroïne la plus romanesque de notre temps, la superlative Rita, le lecteur peut ensuite, quelques pages plus loin, se plonger dans le roman d'Ingrid, car toutes ces actrices sont uniquement prénommées comme si leur starisation les condamnait à devenir intimes de l'ensemble de la nation. Les princesses constituent l'autre personnel de ce romanesque à l'eau de rose. Dans ce registre, la cour d'Angleterre constitue l'espace de prédilection où s'ébat Paris Match, qui a le recours à la fois à la reine Elisabeth, présentée la plupart du temps comme à l'origine d'un romanesque ordinaire, malgré sa couronne, je cite Paris Match, le roman de toutes les femmes, écrit avec l'encre de l'histoire, avant The Crown, hein, et de la princesse Margaret, au cœur, elle, d'un roman extraordinaire, puisqu'elle est contrainte par l'étiquette à renoncer à l'aviateur Peter Tonsen. Mais le romance se trouve aussi dans le reportage criminel, fortement contaminé par le roman policier. Rabaudy, un des rewriters, raconte ainsi dans son ouvrage sur Paris Match que la rédaction leur donnait volontiers Georges Simenon comme modèle. Visiblement, tous obtempèrent avec docilité, moment de campagne indiqué très précisément par un repère au cas où on ne l'aurait pas vu, la force de l'intertexte. Alors, je vous ai mis quelques exemples hein, d'extraits de Paris Match. Comme dans un roman de Simenon, le juge d'instruction Fougère écrivit avec soulagement à classer sur le dossier. Ou encore, ce qui ressemblait à un décor de Simenon. Enfin. Et si bien que quand, alors ça c'est une des possibilités qu'offre l'outil Numapresse, quand on fait une recherche sur l'ensemble du corpus par entité nommée, on se rend compte que le nom de Simenon vient en deuxième, c'est le deuxième nom le plus cité dans le journal, et la place importante réservée par le magazine à Simenon ne vient pas seulement du grand nombre de reportages auprès de l'écrivain, qui est un bon client de l'hebdomadaire, mais surtout du grand nombre d'articles où il sert de balise du romanesque. En fait, chaque genre romanesque a son pendant journalistique et vice-versa, et tout événement réel peut être reformulé à travers la convention d'intertexte fictionnel, généreusement convoqué par les Raoul. Certains reportages sur l'aéropostale, les navigateurs en solitaire, la Légion, brassent explicitement les codes du roman d'aventure. D'autres articles convoquent le roman d'espionnage, au moment même où Paris Match publie en feuilleton Le troisième homme de Graham Greene. Tous ces exemples pourraient laisser croire que le romanesque habille uniquement les nouvelles à scandale ou à sensation pour séduire la concierge de Jean Prouveau, personnage décisif dans les choix rédactionnels si on en croit les mémoires de journalistes. Mais en fait, le romanesque est partout dans le magazine, et il fonctionne aussi comme une clé des articles les plus informés, les plus ardus, par exemple ceux de Raymond Cartier, l'éminence grise du magazine. Dans les articles à la tonalité grave, comme certains reportages de guerre, l'article mobilise alors plutôt les modes d'écriture du roman réaliste classique, fondé sur l'intervention d'un personnage typique, inséré dans un décor adéquat, et un récit fondé sur l'enchaînement d'événements organisés selon la topique de la vraisemblance.
Les références convoquées alors sont plutôt Balzac et Stendhal que Pagnol, mais très souvent Balzac est présent dans Paris Match. Mais surtout, les Raoul produisent le même romanesque général, pour reprendre le terme de Marc Angenot, ou de mystère général, pour citer Philippos Katsanos, qui voit dans ce qu'il a appelé un sensationnalisme cognitif la recette médiatique sur laquelle s'élabore à la fois la culture dite populaire et aussi le système informationnel. Et donc c'est sur ce même romanesque général que s'appuie l'ensemble du système médiatique des Trente Glorieuses. Alors qui sont les Raoul ? Malgré la créativité des écritures, la plupart du temps, le rewriting est une pratique que l'on exerce en cachette. Comme le dit Philippe de Baleine, lui-même rewriter à Paris Match, à propos des écrivains, cette collaboration ne figurait jamais dans leur curriculum vitae. Cette activité s'exerçait donc de manière occulte, notamment parce qu'elle était l'objet d'une forme de stigmatisation de la part des intellectuels. Claude Lanzmann, qui appelle ses écrivains journalistes des ghostwriters, raconte très bien dans ses mémoires et recueils la difficulté à signer dans les magazines quand on travaille en même temps au temps moderne et qu'on est proche de Jean-Paul Sartre et de Simone de Beauvoir. Il raconte comment il a créé dans Elle la signature Jean-Jacques Delacroix en empruntant d'une part le patronyme de sa mère et d'autre part le prénom du directeur de l'Express Jean-Jacques Servan-Schreiber. Mais surtout, il explique comment son travail de Raoul pendant des années à France Dimanche lui a valu quelques remarques interloquées, comme celle-ci de l'écrivain Franz Fanon, apprenant qu'il était rewriter. Et l'unité du moi, alors ? Cette question a entraîné une profonde réflexion chez Lanzmann, qui a abouti à la réédition de beaucoup de ses articles parus dans la presse populaire, et à cette remarque significative, et on voit très engagée. Pourtant, Lanzmann et Delacroix ne faisaient qu'un. C'était le même homme. L'un et l'autre commençaient leurs articles, l'angoisse de la page blanche au cœur, avec un identique sérieux, sans jamais rien bâcler, vérifiant chaque fois quel plaisir non pareil apportait l'écriture, quel orgueil et quelle joie, indissolublement mêlés, procuraient la relecture d'un portrait réussi. Après la sortie du Lièvre de Patagonie, j'ai procédé par hasard et sans intention aucune à une autre relecture, celle de quelques textes publiés dans Elle 40 ans plus tôt, dû à la plume de mon alter ego Delacroix. De Delacroix, je suis passée à Lanzmann et à ses productions dans le même magazine, et je leur ai trouvé bien plus qu'un air de famille. J'étais incapable de déceler entre les uns et les autres l'ombre d'une différence, de dire qui avait écrit quoi. L'unité du moi, si chère à Fanon, était là. L'unité du moi, c'était moi. Malgré cette réputation douteuse, on le voit, être rewriter présente pour un écrivain de nombreux avantages. Un salaire régulier, un emploi du temps resserré qui permet de garder des plages de temps libre. Généralement, un hebdomadaire mobilise 2 jours par semaine à temps plein, à des cadences souvent infernales, à grands coups, selon la mythologie des Raoul, de Ricard et de Maxiton. Alors, qui a été grand écrivain, selon une formule employée à l'époque ? La liste, très incomplète, que je peux déjà ébaucher pour les années 50-60, à partir de la consultation des souvenirs des uns et des autres, est quand même déjà assez longue. Roger Vaillant, pour plusieurs hebdomadaires du dimanche, Michel Déon, Albert Vidali, François Brignot, Claude Lanzmann, Antoine Blondin, Kléber Hédens, Gérard Jarlot, Yvan Audouard, tous à France Dimanche. Roger Grenier, chef du rewriting pour France Dimanche, puis pour François. Au Canard, Jacques-Laurent Bost, Gérard Guégan, Gérard Decède et plus tard Patrick Rambaud. À l'Express, après Françoise Giroux, Jacques Duquesne, de 67 à 71, qui compte à son actif plusieurs romans, il est assisté de Maurice Pons, un autre romancier. Marcel Péjut, autre secrétaire des temps modernes, est rewriter à Samedi Soir, l'hebdomadaire rival de France Dimanche. Roger Théron, à Paris Match, est assisté de Philippe Geoffroy, Georges Rière, Michel Clerc, Jean Maquet, Jean Farin, Jean Diwot, Philippe de Baleine. Certains quotidiens s'en mêlent, comme François, qui emploie Pierre Gascard, Georges Conchon, Roger Grenier, puis Pierre Daninos. Alors, deux remarques. La première, c'est que parmi la liste des journaux rewrités, on remarque la présence de journaux au tirage massif, notamment de journaux issus du groupe Franc-Part, François, France Dimanche, et de journaux plutôt sensationnalistes. C'est-à-dire que
Les journaux sensationnalistes, dont on pourrait penser qu'ils sont le moins écrits, sont ceux qui emploient le plus d'écrivains, et ceux aussi dont la matière est la moins signée. C'est déjà une observation qui est assez insolite. Deuxième remarque, cette liste, elle peut vous paraître composée d'illustres inconnus. Mais c'est une illusion qui est due à la distance temporelle et au biais de l'histoire littéraire. Écoutons Yvan Douard parler de la rédaction de France Dimanche. Je cite « Sans doute, je n'aurais pas dû citer la présence de Françoise Giroud dans cette feuille à mauvaise réputation. Elle n'en fait état dans aucune de ses biographies officielles. Pourtant, quelques-uns des plus brillants esprits et des meilleures plumes de ce temps y étaient rassemblés. » Ces écrivains sont en fait, tous ces écrivains que j'ai cités, sont en fait pratiquement tous de prolifiques romanciers. Le journaliste Philippe de Baleine est non seulement un Raoul, mais aussi un écrivain invisible, auteur notamment sous le pseudonyme de Marguerite Ring, d'une vingtaine de romans policiers. Invisible d'ailleurs, sauf dans Les bijoux de la Castafiore, où ce Raoul est croqué sous le nom de Jean-Loup de la Batellerie. Donc il y a quand même son image quelque part. Les Raoul sont parfois auteurs de best-sellers, comme Michel Clerc, auteur de Bakchich chez Flammarion en 1976, ou Jean Diouot, à la tête d'une abondante série, Les Dames du Faubourg, chez Gallimard, qui s'écoule à partir de 1985 à plus d'un million d'exemplaires. Ils peuvent être récipiendaires de prix illustres. Roger Grenier a obtenu le Féminin en 1972, Pierre Daninos, Antoine Blondin, Kléber Hédens, Michel Déon, l'Interallié, respectivement en 1947, 1959, 1966 et en 1970. Patrick Rambaud a obtenu le Goncourt en 1997, tout comme Pierre Gascard en 1953, Roger Vaillant en 1957 et Georges Conchon en 1964. Ce sont donc des représentants typiques de ce qu'on appelle aujourd'hui la littérature moyenne, une littérature rassembleuse qui s'adresse à un public élargi, sans doute le même que celui qui lit les magazines. Donc je conclus, l'observation de ces écritures de romanesque réalité et de ces Raoul entraîne, selon moi, trois remarques assez décisives et qui seront pour l'instant conclusives. Première remarque, on a ici affaire avec ce reportage romancé à une sorte d'ersatz du roman feuilleton. En termes de médias poétiques, ces nombreux articles composés de romanesques rewrites finissent par venir remplacer le roman feuilleton en voie d'extinction dans ces années d'après-guerre. Et d'ailleurs, symptomatiquement, quand on fait tourner la générothèque de Pierre Carlonglet sur ses corpus, elle sort tous ses reportages romancés comme du roman. Hein, toute une série d'objets hybrides sont identifiés par la générothèque de Numa Press, c'est une erreur, mais on voit bien combien l'erreur est ici intéressante, comme des romans, alors qu'ils constituent plutôt une sorte de substitut romanesque. On peut dire que le feuilleton perdure dans le magazine à travers ses ersatz. Deuxième remarque, on aurait tort de minorer ce phénomène d'éditorialisation stylistique des hebdomadaires. L'exemple du départ de Mauriac de l'Express, qui ne fut pas suivi d'un désabonnement massif des lecteurs, montre bien que ce ne sont pas les signatures qui font le journal, mais plutôt cette éditorialisation, qui est la plupart du temps un art du récit, et qui montre l'existence, c'est mon hypothèse, en France, d'un journalisme narratif ou littéraire aussi prégnant aux États-Unis, mais souvent beaucoup moins auctorialisé. Ainsi, Landsman, dans ses mémoires, raconte des expériences d'invention de dialogue à France Dimanche, qui correspondent exactement à la liberté que se donnent aux États-Unis les écrivains de non-fiction. Je cite « Mais l'équipe des rewriters de France Dimanche connaissait quelquefois de dures nuits de joie. Je me souviens avoir non pas réécrit, mais entièrement inventé et rédigé moi-même une conversation entre la reine Elisabeth d'Angleterre, Nikita Khrouchtchev, et le maréchal Nikolai Bulganine, alors président du Conseil des ministres du RSS, en visite d'État à Londres. La rencontre ne s'était sûrement pas passée telle que je vous la racontais, mais mon récit avait le mérite d'être vraisemblable, vivant et drôle. Je regrette de l'avoir perdu à jamais. Je gagnais ma vie ainsi, mais surtout étais libre le reste du temps et je tenais à cette liberté plus qu'à tout. » En fait, ces formes assez fascinantes n'apparaissent pas dans l'histoire littéraire du journalisme narratif français telle qu'elle a été élaborée jusqu'à présent, puisque cette histoire saute assez aisément, comme en témoigne par exemple le travail de Géraldine Mühlmann ou la thèse de Marie Van Oost, du reportage littéraire des années 30 au reportage
de l'IB des années 70-80 à la contre-culture, comme s'il n'y avait pas de maillon intermédiaire assumant la tradition du reportage littéraire français entre les deux. L'examen de Paris Match ou de France Dimanche, avec leur personnel affecté, invite fortement à revenir sur cette idée. L'invisibilité de ces corpus s'explique par l'absence notamment de mise en recueil, absence qui se justifie par l'écriture très collective qui est le soubassement de ces reportages. Il n'y a pas d'auteur en fait. Et enfin, dernière proposition, une histoire littéraire à réécrire. C'est Raoul et plus largement les rédacteurs, les romanciers présents dans les rédactions des journaux et magazines souvent populaires des Trente Glorieuses invitent à poser plus largement la question des histoires littéraires du second XXe siècle qui oublient la civilisation du magazine, font peu de cas des doubles carrières et invisibilisent complètement ce remont du milieu, soit, je le montrerai ailleurs, une forme de néo-réalisme médiatique. Au nom d'une valeur, informée par une définition moderniste et intransitive de la littérature, que ne semblent pas confirmer les usages sociaux contemporains du littéraire et du journalisme narratif, ceux que je présentais au départ, toute cette production est exclue d'une histoire littéraire qui privilégie certains mouvements, le nouveau roman ou l'existentialisme, certains genres, le théâtre de l'absurde, plus canonique, plus exclusif aussi. Le paradoxe est qu'aujourd'hui, la littérature de genre est à de multiples égards reconnue, alors que la littérature moyenne, la littérature des Raoul, est considérablement encore occultée. Je rejoins donc ici une proposition d'Adrien Raneau dans son livre sur la révolution du magazine au Québec, celle, je cite, d'une politique générale qui permettrait de lire simultanément l'information et le divertissement, le romanesque, comme les deux faces d'un même projet, celui d'abolir les frontières spatio-temporelles du réel pour donner une emprise sur celui-ci. Et donc, je suggère, à partir de cet exemple, mais vous avez compris que j'aurais pu prendre une autre entrée pour entrer dans ce corpus, de réécrire l'histoire littéraire du XXe siècle en intégrant les Raoul et plus généralement les écrivains journalistes, auteurs essentiels, quantitativement et qualitativement, des Trente Glorieuses. J'ai terminé. Alors, merci beaucoup, Marie Ferranti, pour cette excellente conférence qui met bien la table pour nos échanges de demain, j'en suis certain, et qui, j'imagine, va susciter quelques commentaires, questions, remarques ce soir pour lancer la discussion en attendant le vin et le fromage. Y a-t-il des commentaires, questions? Votre conférencière. Enlever la... Je me sens un peu gêné, là. Merci d'abord. Maria, je peux te tutoyer. C'est pour la posture, peut-être. J'ai une question d'information et une question un peu plus complexe sur ce que tu viens de développer un peu dans les dernières minutes. Tu as parlé d'abord de les rewriters qui sont principalement dans les hebdomadaires. Tu as mentionné qu'ils étaient aussi dans quelques quotidiens. Je suis un petit peu intrigué par cet aspect-là parce que, au niveau de la temporalité, de la périodicité, on est dans un autre régime. Et donc, à quel type d'article touchent ces rewriters? Ce serait la première question. La deuxième, c'est plus substantiel, le lien entre culture moyenne, rewriting, journalisme et rapports sociaux de genre. Je viens avec mes gros sabots, mais à part François Giroux, je suis frappé de voir que ce sont principalement des hommes. Pour une culture moyenne qui est quand même principalement féminine, ne serait-ce qu'au niveau du lectorat, les statistiques le montrent, les études des prix notamment et des instances de consécration, si instances de consécration il y a en culture moyenne, le montrent aussi. Comment tu expliques cette absence-là, ou si absence, est-ce qu'il y a une présence ailleurs qui n'a pas encore été montrée? Est-ce qu'il y a des trouées vers lesquelles il faudrait aller pour trouver ces femmes-là dans le rewriting? Merci. Alors, merci beaucoup. C'est deux... Enfin, on dit toujours ça, mais c'est vrai. C'est deux questions très intéressantes. Sur la première, alors, c'est un chantier, une progresse, et vous avez compris que ça implique
de numériser ou d'aller voir des corpus en bibliothèque, des corpus qui sont évidemment pléthoriques, et que c'est un chantier dans lequel je suis entrée grâce à la numérisation de certains magazines. Pour les quotidiens, je découvre et j'avance. J'ai découvert en travaillant sur François que François et France Dimanche fonctionnaient de la même façon et que donc François était abondamment rewrité. Je ne sais pas combien de quotidiens étaient, quels étaient les quotidiens et qui étaient effectivement rewrités. J'ai cependant, j'avais quand même commencé aussi à réfléchir et je vois que c'est pas tous les quotidiens. C'est un peu comme pour France Observateur et que il y a des quotidiens et je le sais. Parce que mon grand-père a été correcteur à cette époque dans une imprimerie pour des quotidiens. Et donc, il y a des quotidiens, par exemple le Figaro, qui n'avaient pas de service de rewriting et qui avaient simplement un service classique de correction. Et donc, je pense que la frontière, hein, c'est un peu celle qui est tracée, mais il faudra le corroborer en allant explorer d'autres corpus, hein. Mais la frontière, je pense que c'est la même, hein. C'est que celle qui sépare d'un côté des journaux plus intellectuels, qui le Monde, par exemple, n'est pas rewrité non plus, et de l'autre, des journaux, entre guillemets, plus sensationnalistes et qui ont un pacte de lecture et d'écriture différent. Mais c'est vrai qu'on aura quand même quelques quotidiens aussi qui fonctionneront selon ce régime. Et la deuxième, alors moi aussi, en lisant ton livre, je me suis dit, bah, finalement, cette culture moyenne, j'ai vu hein, cette proposition, et je trouvais que ça se vérifiait ni pour les rewriters, mais ni même pour la grande production de cette culture moyenne en France. Alors bien sûr, plus on avance, on aura des Jeanne Bourrin, des Françoise Malé-Joris, on aura de plus en plus de femmes qui vont produire ce type de roman, mais c'est quand même une culture qui est très largement plus masculine que ce que tu décris toi dans ton livre sur le magazine québécois. Alors, comme j'ai travaillé sur les femmes journalistes, j'aurais tendance aussi à peut-être à dire qu'elles sont peut-être plus invisibilisées encore que les hommes, et que donc en fouillant, bon, François Giroux évidemment, on la connaît, donc on la trouve. J'ai un exemple par exemple pour Détective. En fait, Détective a été, et Radar en fait, était rewrité très probablement, mais c'est une j'ai une intuition, j'ai pas de preuves, par une femme qui était Lucienne Dornay, qui a à un moment signé l'ours de Détective, hein, comme rédactrice en chef, et qui était, qui a signé l'ours de Radar comme rédactrice en chef, et qui était une journaliste de Détective. Donc, plus invisibilisée, d'une part, et puis sans doute, mais ça reste à creuser, finalement une culture moyenne, j'aurais tendance à penser, plus masculine quand même que, et finalement qui n'ouvre pas ces mêmes clés de réflexion sur les identités genrées qu'au Québec. Mais je suis prudente. En tout cas, j'avais lu ça et j'ai pas voulu aller sur ce terrain parce que je trouvais que ça correspondait pas à ce que je voyais. Ah, bien, merci beaucoup Marie-Ève, c'était vraiment magistral, tout un tour de force. Moi, j'y suis allée là, sur les plages ensoleillées de la connaissance, je suis certaine que je ne suis pas la seule. J'ai une question à deux volets, la première est peut-être un peu technique, mais je suis très très intriguée par le fonctionnement du signomètre, si j'ai bien retenu le terme, mais c'est peut-être trop technique. Ma deuxième est dans la foulée de la question d'Adrien. En fait, j'étais très intéressée par le tableau où on voyait les noms d'auteurs. Là, on a vu Simon revenir, Colette en première, en tête de liste. Donc, on comprend que c'est comme dans un roman de Simon, mais on ne trouve donc pas de traces de comme dans un roman de Delis. Parce qu'il n'y avait pas d'autrice reliée au genre sentimental, et là, je me dévoile, ça m'intéresse, mais ça m'interpelle qu'il n'y ait pas de référence à des autrices de romans sentimentaux. Mais c'est peut-être en lien avec cette culture plus masculine. Est-ce que ce serait quelque chose qui tiendrait la route? En fait, c'est pas trop une question, mon affaire, mais bon, si dans cette invisibilité des femmes,
quand on veut référer à des histoires d'amour, on dit comme dans un roman d'amour, peut-être sans nommer même d'autrice. C'est vraiment une hypothèse. Mais en tout cas, il y avait quand même Margaret avec ses belles histoires d'amour. Donc, Alors, sur la première question, sur les sinomètres, le sinomètre, Pierre Carle l'a fait fonctionner d'abord sur les journaux du 19e siècle. Alors, tu le trouves en fait en ligne hein, sur le site Numa Press. Alors, effectivement, c'est très technique en fait. Il identifie d'abord les articles, hein, il délimite les articles qui sont souvent dans les formats qui sont déjà souvent définis. Donc, il va chercher ce qui se trouve en bas à droite de l'article et comme ça, il a extrait des signatures et il a fait toute une série de papiers justement qui montrent que quand on travaille par les signatures, on voit que l'essentiel du journal est rédigé, alors lui travaillait sur le 19e siècle, par des gens qui sont en fait des illustres inconnus, mais qui sont en charge d'une rubrique récurrente et donc il a fait toute une série d'analyses là-dessus. Et en fait, très souvent, en fait, c'est quand ça marche pas que ça entraîne des réflexions, ça nous a entraîné. Très souvent, dans la presse, c'est quand les outils numériques ne marchaient pas, qu'il y avait un achoppement, que en fait, ça nous a fait voir des anomalies. Et le signomètre, en fait, Pierre Carle n'arrivait pas à le mettre en place, ni sur les hebdomadaires des années 30, parce que la signature était très souvent décalée, etc., qu'elle était valorisée d'une autre manière qu'en la mettant à la fin, et aussi notamment sur le corpus que je vous ai présenté aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas de signature. Donc, va voir sur le site hein, pour voir comment ça fonctionne et bah, évidemment, l'extracteur de signature ne fonctionne que, en tout cas, dans la forme que Pierre Carle lui a donnée jusqu'à présent, mais tu ne connais pas encore Pierre Carle, mais chaque fois qu'on lui donne un défi, il est toujours prêt à le relever. Pour l'instant, ça ne fonctionne que sur des formes très normées, en fait, de la mise en place de la signature. Alors, pour l'autre question, là, c'est très facile, hein, on fera l'essai tout à l'heure, de regarder, je ne sais pas, si Dely est cité, en fait, on a sur les corpus, il suffira de regarder dans quel contexte elle est pas citée. Oui, je pense que tu as raison, hein, en fait, c'est aussi parce que on va... Pour le roman sentimental, pour tout ce qui est sentimental, moi j'aurais tendance à penser qu'on va aller plutôt du côté du film, que c'est plus légitime, et qu'on, pour la littérature, on va aller ancrer ça dans une culture, je dis une culture réaliste, hein, parce que c'est vrai qu'on est étonné de voir par ailleurs le grand nombre de fois où un Balzac, un Stendhal est cité dans Paris Match. Donc il y a des effets d'étiquette comme ça qui sont assez forts. Et peu de femmes. Hein. Alors Colette, c'est peut-être, il faudra vérifier aussi, parce que là encore, on peut se dire qu'il peut y avoir aussi des faux positifs. Hein, parce que Colette, elle peut sortir aussi à la fois comme nom propre, mais aussi comme prénom. Donc, parce que moi, j'ai été étonnée aussi de la voir arriver si haut. Sinon, en France, on est sûr que plus cité que De Gaulle dans Paris Match, quand même. Merci, j'ai trouvé ça vraiment fascinant, l'étude des signatures dans les hebdomadaires. Puis je me demandais, d'abord, tu nous as bien montré l'effet que ça produit, mais pourquoi finalement est-ce qu'on en est venu à cette pratique-là du rewriting? Je ne sais pas si tu as des hypothèses. Puis est-ce qu'il y a des choses dans les années 30 qui préparent ou qui annoncent déjà ça? Parce que je trouve ça curieux. Parce que finalement, on revient à une genre de spécialisation des rôles. C'est comme si on dit le reporter qui va sur le terrain, il va juste prendre les notes, puis il y a quelqu'un d'autre qui va réécrire. Donc, on lui enlève finalement son travail d'écrivain. Donc, ça met à mal un peu le mythe du grand reporter-écrivain des années 30, finalement, qui réussissait à faire les deux côtés du travail. Puis, pour revenir sur ce qu'Adrien disait, je me demande si... La presse sentimentale, le magazine qui naît à la fin, dans la deuxième moitié des années 30, n'est pas comme un chaînon vers ça, parce que je pense aux histoires vraies dans Confidence, par exemple, qui sont pas signées justement, mais qui sont présentées comme des histoires envoyées par des lectrices, mais forcément, il y a quelqu'un à la rédaction qui les réécrit. Alors, il y aurait peut-être là une réécriture peut-être de plume féminine, je sais pas du tout, j'ai pas encore eu le temps d'explorer ça beaucoup, mais... C'est peut-être un chaînon, en tout cas, vers... Oui, tout à fait. Alors, pour le premier point, je
c'est compliqué. Alors, je pense que on est parti en 44 d'une sorte de refondation de la presse française où on est parti sur l'hypothèse qu'on allait exclure les plumes et qu'on allait travailler avec un personnel qui serait un personnel de professionnel hein, pour aller vers une presse plus éthique, fondée sur le fait, l'information, etc. Et que assez rapidement, bah, il s'est avéré que finalement les personnes recrutées, qui étaient souvent d'ailleurs des résistants, des personnes un peu formées sur le terrain, puisque au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sont exclus tous ceux qui ont collaboré et sont habilités à diriger la presse et à fonder des journaux, des gens pour leur qualité de résistant et pas forcément pour leur qualité littéraire. Et donc, le writing, ça a été une façon de faire rentrer finalement tous les écrivains et en fait de revenir à des formes d'écriture romanesque ou romancée qui étaient parfois pratiqué par les grands reporters écrivains en titre des années 30. Et d'ailleurs, quelque chose d'amusant, c'est que très souvent, ces rédacteurs, eux, sont collaborateurs. Et ils sont vichysois, ils sont collaborateurs, et donc, mais ils n'ont pas la carte de presse, ils n'ont pas l'autorisation d'avoir la carte de presse, et comme ils ne signent pas, dans les mémoires, on apprend, bon, Brignot, lui, était un collaborateur, donc il le dit de manière très vigoureuse, et dans les mémoires, on voit qu'en France Dimanche, Max Cor disait, mon ami était plein de vichysois. Marguerite Larrick, tu te souviens peut-être, qui dirigeait Détective et qui a été condamné à la libération pour fait de collaboration, revient à Détective et réécrit Détective sans que jamais son nom apparaisse, ne soit crédité en fait. Donc c'était aussi une manière peut-être de revenir sur certaines règles politiques édifiées. J'aurais cette hypothèse, mais il y en a, c'est certainement en fait un cumul de facteurs hein, qui aboutissent à cette situation. Oui, et pour l'autre hypothèse, je pense que tu as raison, qu'il y a déjà évidemment dans les années 30 des endroits du journal qui sont totalement réécrits. Alors ces histoires vécues, qu'elles soient sentimentales ou criminel d'ailleurs, puisque dans Détective aussi, il y avait certes des grands plumes, mais il y avait aussi des rédacteurs qui étaient chargés de réécrire. Mais c'était pas une fonction aussi officielle et exclusive que l'étiquette, elle arrive vraiment. Et surtout avec l'impression, alors ça peut-être que ça vous répond aussi à la première question, que c'est une méthode qui vient d'Amérique. Ça, c'est dit partout. Ça vient d'Amérique, hein, c'est en Amérique qu'on réécrit. Mais en fait, quand on regarde en détail, c'est pas du tout une réécriture à l'américaine. C'est vraiment une réécriture où l'écrivain se sent très libre dans le cadre d'éditorialisation fournie par son journal de fictionnaliser. Merci Marie-Ève pour cette conférence, comme d'habitude, passionnante. Je me pose la question pour l'histoire, de manière générale, sur cette histoire littéraire de la presse au XXe siècle. J'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup parlé, c'était pas du tout l'objet de ta présentation, mais de manière générale, pour concevoir le projet, de l'importance des écoles de journalisme. La place qu'elles vont prendre, notamment dans la deuxième moitié du XXe siècle, et de voir l'impact que ça pourrait avoir dans des formes de spécialisation d'écriture d'une part, des écritures plus officielles, dans des techniques de journalisme officialisées, sanctionnées par une formation, puis de l'autre, tout un versant plus libre, plus souterrain, plus caché, plus littéraire, plus et ainsi de suite, où là, le romanesque serait libéré d'une certaine manière. Donc on aurait comme une espèce de double voie qui, sans doute, qu'il y aurait des zones de passage, mais voilà, à la fois, penser l'influence des écoles, la non-influence, le détournement de l'école. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y aurait comme un chantier qu'on n'a pas vraiment envisagé jusqu'à maintenant. Tout à fait. En fait, j'ai commencé à regarder justement. J'avais déjà regardé au moment où j'avais travaillé sur l'affaire Duras.
sublime, forcément du sublime. Hein, l'article avait fait paraître Christine V à propos de l'affaire Villemin, un article dans la presse de Libération le 17 juillet 1985, un article qui était très romancé, où elle prenait énormément de... où elle constituait Christine Villemin comme une sorte de personnage qui lui était propre et où elle inventait en quelque sorte le crime que Christine Villemin aurait pu commettre. Et il y avait eu des réactions complètement effarées ou analytiques chez les lecteurs de l'époque. Et moi, à l'époque, enfin, depuis ma perspective 19e, je me disais, mais qu'est-ce qui a changé entre le 19e siècle et 1985 pour que finalement les lecteurs ne supportent plus cette possibilité que s'offre le romancier de transformer complètement un fait divers. Et j'étais allée voir à ce moment-là, alors là, pas les programmes des écoles de journalisme, mais tous les guides de journalisme. Et effectivement, je me suis rendu compte que, en fait, le libellé est extrêmement clair. Dans les années 80, le journaliste est un technicien d'information. L'écriture journalistique, c'est le degré zéro de l'écriture. Donc, dans les écoles de journalisme, il y a effectivement vraiment... C'est abouti dans les années 80, l'idée que le journaliste n'est pas un écrivain, et même qu'il doit lutter contre toute invasion de la littérature dans son écriture. Et là, à propos de cette conférence, j'avais commencé aussi à aller regarder les guides de journalisme des années 50-60, et il y a très peu d'allusions à la littérature, je cherchais le viralité en fait. Et il y a quelques lignes sur le rewriting, mais c'est vraiment pas... En fait, c'est décrit vraiment comme une méthode de correction et de standardisation de la langue, et ça laisse pas du tout, effectivement, la place à l'idée qu'on pourrait... que c'est une place de liberté. Donc, je pense que ton hypothèse, en fait, elle est juste, en fait, qu'il y a, à la fois dans les écoles de journalisme, quelque chose qui va vers une sorte de standardisation, de technicisation, qui est aussi conforme au discours qui est tenu... peut-être par un Hubert Beveri, par exemple, qui vise à avoir une presse objective, factuelle, etc. Et de l'autre, ben, il y a des techniques, et plus on se plonge dans ces corpus, et puis un personnel qui ne correspond pas du tout à ce qu'on a dit, ce qu'on a cru, et pas du tout non plus à ce qu'on a enseigné dans les histoires de la presse. Mais c'est pour ça qu'il faut aller voir. Et ce que je trouve un peu... C'est toujours ce que je trouve un peu fascinant, c'est que ça soit si proche de nous et que finalement ça soit si méconnu. En fait, on a l'impression qu'on fait des découvertes comme si on parlait du 19e siècle ou voire en archéologie, comme si on allait voir une civilisation. Alors qu'en fait, certains témoins sont encore vivants, donc on peut même les interroger. Il y a d'autres questions ? Comment ou remarques ? Ça va? On est pile à l'heure, en fait, c'est parfait. Nous allons passer au cocktail, poursuivre la discussion autour d'un peu de vin de fromage, mais d'abord et avant tout, je remercierai de nouveau notre conférencière. Merci beaucoup. Donc, je vous invite à poursuivre la discussion sur les fameuses plages ensoleillées de la connaissance. Merci. Juste assez de bilan. Hein? Juste assez de bilan. Oui, c'était parfait. 1859, c'était très bien. Je t'ai tenté de te poser une question sur les outils numériques. Écoute, on avait déjà parlé. Je ne voulais pas te plonger dans les techniques, mais c'est vraiment fascinant. Comment vous avez fait l'appareil de reconnaître les gens? Est-ce qu'il l'a fait avec une... Ah, mais ça j'aurais pu. Ah oui, non, mais ça marche très très bien. Ah oui. Alors, parce que là, j'insiste sur les faux positifs. Parce que les faux positifs. En fait, un faux positif, c'est toujours intéressant. En fait. Il le fait en fait en entraînant le logiciel. C'est-à-dire qu'il entraîne le logiciel à partir de.